Un mot de sport. Les rameurs sont invités à célébrer les 20 ans du trophée de l'amiral. L'édition aura lieu samedi à Aur-Etinehaou. C'est une course de V6 réservée à 8 catégories comme les seniors, les dames, les handisports ou encore les vétérans. Comme l'an dernier, des stands d'information sur les forces armées se tiendront sur place pour le public en marge de l'événement sportif. L'organisation espère atteindre la barre des 90 équipages sur la ligne de départ, car cela fait 2 ans que la course a fait son retour dans le calendrier fédéral de la Fédération tahitienne. L'officier des sports des Forces armées nous en dit plus au micro de Jérôme Lee. On est très heureux d'être inscrit depuis 2 ans au challenge, d'inscrire ce challenge de l'amiral au sein de la Fédération tahitienne de VA. Et on attend, j'espère, pour ce week-end, une centaine de pirogues comme les autres années. Tous les VA 6 licenciés connaissent ce trophée de l'amiral et sont inscrits auprès de la Fédération tahitienne de VA. Et en parallèle, on a également, nous, des équipes militaires qui vont se confronter aux équipes civiles. On est un petit peu moins fort que normalement. Donc on aura une vingtaine d'embarcations et on attend à peu près comme l'an dernier, 80-90 embarcations civiles, ce qui représentera à peu près une centaine de pirogues sur le cours d'eau. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.